Esprit Parc National est une marque de produits et de services qui participe à la protection des patrimoines des 10 parcs nationaux de France. Dans les écrins, consommer Esprit Parc National, c'est découvrir des produits authentiques et vivre des expériences uniques. Partez à la rencontre de femmes et d'hommes inspirés par la nature. Je suis cueilleuse de plantes aromatiques et médicinales. C'est une activité que je pratiquais depuis toute petite avec ma grand-mère, Eva Louise. La saison commence au mois de mars, je ramasse les premiers bourgeons de pin, après il y a les premières fleurs qui arrivent, comme la prime vert, et puis les cueillettes vont s'enchaîner tout l'été jusqu'à l'automne. À ce moment-là, j'ai ramassé les racines et les dernières baies avant l'hiver. Ces plantes, je les fais sécher et ensuite je les mets en sachet pour les vendre sur les marchés. Les valeurs de cette marque dans lesquelles je me reconnaissais, c'est la préservation de l'environnement, parce que dans mon activité, évidemment, j'essaye de faire attention à ne pas piller ces sites de récolte et assurer leur pérennité. Alors moi, j'accueille ici des gens qui font de la montagne, qui font de la randonnée, qui font du vélo, qui font le tour des écrins. Ce qui m'intéresse, moi, dans mon boulot, c'est l'échange, quoi, la rencontre, et c'est assez riche de ce point de vue. J'ai envie qu'ils perçoivent la qualité de l'accueil qui se trouve ici dans ce gîte et au sein du parc national également, quoi. J'ai une multitude de clientèles, aussi bien des petites familles comme ce soir où on fait une sortie de découverte où on va observer les chamois, mais après des publics aussi très sportifs qui veulent des randonnées un peu plus longues, un peu plus hautes. Mais aussi un objectif important, c'est les randonnées naturalistes où on est là vraiment pour la découverte du milieu naturel, aussi bien au niveau de la faune, de la flore, de la géologie. L'évolution sur la marque Esprit Parc, pour moi, est tout à fait naturelle. C'est une collaboration qui est parfaite entre le parc national et les accompagnateurs ou les guides de haute montagne. Je suis maraîchère, donc je produis beaucoup de légumes, des légumes diversifiés, en essayant de respecter au mieux la nature, sans intrants, sans travail du sol, de la manière la plus simple possible. J'ai adhéré à la marque Esprit Parc parce que je trouvais que ça correspondait tout à fait à mes valeurs de production et de vente aussi locale. Dès cette année, j'ai vendu sur place, donc au village de Villaraymond, en porte ouverte. J'essaie aussi d'alimenter le gîte de l'eau blanche, qui se trouve également à Villaraymond. Esprit Parc, pour nous, c'est aussi une reconnaissance de ses valeurs éthique, de vouloir développer cette simplicité avec des bons produits, une démarche écologique, et je crois que vraiment aujourd'hui les structures d'accueil doivent aller vers ce type de chemin. Ici, je cultive les roses anciennes à parfum pour les transformer soit en eau de rose, en confit ou en sirop. Je travaille toujours en produits naturels purs, c'est-à-dire pour les distillations, la rose simplement. Il n'y a pas d'apport d'engrais supplémentaires, les traitements se font à base de plantes. Je ne refais pas d'adjonction, de conservateur, ni quoi que ce soit. J'installe mes ruches au Lozay de mai jusqu'en septembre. Donc elles y produisent un miel toutes fleurs de haute montagne, un pollen polyfloral. Les deux produits, miel et pollen, sont marqués Esprit Parc National. Mes pratiques correspondent exactement au cahier des charges de la marque. Je suis en agriculture biologique, on fait des agneaux qui restent sur l'exploitation. Les mères vont en montagne dans le Val-d'Audemar tout l'été. La finalité de notre travail, c'est ça, c'est que nos clients soient contents, que nos bêtes soient en bonne santé et qu'elles profitent de la bonne herbe du bocage de Champs-Sorin. On essaye de valoriser au mieux nos produits parce qu'ils sont estampillés Esprit Parc. Le parc des Écrins, quand il a été créé, c'était pour préserver un territoire. Et puisque nos bêtes y pâturent une partie de l'année, on se retrouve complètement dans cette démarche. Pour une consommation responsable et une contribution à la préservation du parc national des Écrins,
Retrouvez l'annuaire des produits du terroir et des activités touristiques sur le site espritparcnational.com.